Yes. Pourquoi vous venez me voir aujourd'hui? Pourquoi vous venez voir le docteur? Je suis à Tandy Ride. Écoute, présente-toi, qui es-tu? Vincent Massardier, son nom c'est La Machine, j'ai 38 ans, depuis l'âge de 5 ans et demi que je fais du BMX et j'ai commencé par la race et du coup depuis l'âge de 11 ans je fais du freestyle en BMX dirt. Bon, comme tout le monde, j'ai attaqué par les petites bosses, creusées à la main, après ben, jusqu'à aujourd'hui où vraiment la passion tout le long de ces dernières années, du coup ça a vraiment été de sauter des bosses gigantesques. Je pense que c'est une des rares fois où j'ai sauté une vraie bosse de dirt avec une réception aussi haute. C'était 5 mètres de haut, c'était... Bon, ils ont dû la relever ouais, de bien 50 cm, facile, enfin c'était fat. Et comme ils avaient kické en plus le tremplin du coup de quelques centimètres, du coup ça faisait vraiment raide, fat, ça faisait vraiment... C'était parfait, poser ce que t'avais envie. Un gros pavé comme on aime. Là ça fait la 17e année exactement que je ride à Vienne. Mais ça fait 18 ans que du coup je roule pour Georgie et voilà, fidèle au poste depuis des années. Ça fait 5-6 ans où vraiment ça me tient à cœur d'essayer de faire des choses un peu, en BMX en tout cas, de faire des choses un peu uniques voire exceptionnelles. À 38 ans. C'est ça. La machine. C'est pas fini. J'ai été beaucoup inspiré par Ryan Williams, évidemment, qui est indiscutablement le meilleur rider pour moi au monde, en tout cas dans ses figures spectaculaires et dans l'innovation. Et c'est sûr que je pense comme beaucoup, ben, je me suis inspiré un peu de ce qu'il avait fait sur des big air mais sur airbag avec ben, mon pote Jérémy Rouanet chez qui je m'entraîne et David Rinaldo. Du coup c'est vraiment avec eux que j'ai partagé ça et c'est vrai que voilà, dans mes entraînements, c'est des petits challenges. Chaque fois, ils me poussaient à essayer des choses. Et puis, ben, un jour, à l'entraînement, ça fonctionne pas trop mal. Et je travaille sur ça. Et puis, voilà, après, une fois qu'à l'entraînement, je sens que je suis pas trop loin, du moins d'essayer de le poser en sécurité au Master of Dirt sur des bosses de dirt, voilà, je sais que je suis prêt. Et après, l'ambiance et le partage avec les copains font tout le reste. C'est assez fantastique à vivre, en tout cas. Alors, dans ma première idée, évidemment, c'était d'aller faire le front flip double Superman Seat Grab, donc d'avoir les deux mains sur la selle. J'avais beaucoup travaillé, en tout cas, sur ça. Et c'est une histoire de feeling. Si les essais se passent bien et que tu réussis ce que tu veux, et c'est la chance qu'on a depuis quelques années au Master of Dirt d'avoir un airbag à côté des bosses de dirt. Du coup, c'est vrai que pendant les essais, ça permet de voir et de se régler, de sentir si vraiment on est bien ou pas. Arrivé à Vienne pour la 18e année, quelle émotion? Ouais, incroyable. C'est toujours ce moment où tu es dans le couloir. Ce qui est fou, c'est que tu as toujours l'impression de découvrir la salle. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. J'ai toujours l'impression de découvrir la salle pour la première fois à chaque fois que j'arrive devant et que tu as toujours un petit truc dans la tête, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu rentres, tu dis ah ouais, non, en fait, c'est vraiment grand quoi. Ben là, déjà, la première partie se passe bien. Voilà, je fais ma pause. Et c'est vrai que voilà, on a toujours 10 minutes où ils nous disent de nous préparer. Et voilà, ces 10 minutes-là, c'est sûr que automatiquement tu montes en pression. Donc c'est là où tu essayes de gérer ton stress, de bien gérer ta respiration. Voilà, après tu te sers un peu des bonnes vibes que tu as autour de toi, tes potes. J'aime beaucoup en tout cas ce petit moment-là que je prends. Voilà, c'est un peu mon petit moment à moi où j'aime bien me retrouver. Penser aux choses très positives que j'ai faites les années d'avant. Dans le passé, et ça m'aide à me dire ok, t'as déjà réussi des trucs incroyables dans cette salle, sur cette bosse là, donc t'es capable dans l'idée de faire une nouvelle figure mais toujours sur la même bosse quoi, dans l'idée. Du coup ça va très vite parce que quand la deuxième partie commence, dans l'idée j'ai 3 sauts à faire. Le chouchou en double front avec les copains, j'ai un chouchou en front simple et après j'ai cette fameuse partie où on envoie les bangers et du coup bah là c'est chacun son tour et puis c'est à toi d'envoyer ta figure. Donc dans l'idée j'ai pas trop le temps de réfléchir, finalement ça arrive très vite. Dernière minute, j'ai le regard des copains parce qu'ils sont au courant que quand même je vais essayer cette figure, donc j'ai le regard, c'est une petite tape sur l'épaule, une concentration. C'est une minute qui passe lentement mais qui va très très vite quand même et je suis impatient de partir du coup, de me lancer. Je languis d'avoir ce petit moment qui est à moi et voilà, l'adrénaline monte, ça c'est jusqu'au moment où tu t'élances dans le roll-in, c'est sûr que tu as un truc qui monte,
C'est vraiment prenant. C'est aussi pour ça qu'à 38 ans, je continue à faire ça, parce que c'est un besoin d'avoir ces moments-là d'adrénaline. Et au Master of Dirt, je vis ça, mais c'est décuplé. C'est gigantesque les sensations que j'arrive encore à ressentir et à avoir sur mon vélo. Dès que je mets mon pied sur la pédale au moment où je m'élance, avant de dropper, je sais qu'il faut que je mette des gros coups de pédale, mais vraiment appuyés. Parce que cette figure me bouffe vachement d'énergie en l'air. Du coup, vraiment, j'engage fort. Et une fois que je sens ce feeling de vitesse qui est plus important que sur un saut normal, ok, là, je sais que c'est bon. Je passe à l'étape, je vois la rampe et il faut que j'engage au bon moment. Donc, mon coup de frein, la façon dont je sors et où je vais regarder ma selle pour attraper. Ouais, tout va très, très vite. C'est sûr que de toute l'exécution, du moment où je sors, où je atterris, c'est sûr que je vois ma selle et mes deux mains sur la selle. Ça, c'est un truc qui s'arrête. C'est ok, je sais que j'ai mes deux mains sur la selle, le grab est bien, donc maintenant il faut que je remonte sur le vélo. Et la deuxième image, c'est le retour et je vois que je suis sur mon vélo, les deux mains, et je vois que je roule. Ok. Et après, une fois que tu roules, l'émotion, ça sort. Et là, tu vois les copains et puis c'est ces vibrations de la salle avec ces plus de 10 000 personnes qui crient et qui te donne cette énergie, voilà, où tu sais que tu as travaillé des mois et des mois et des années pour réussir ça. Et quand ça fonctionne, ben, du coup, c'est aussi pour ça qu'on essaie de se surpasser, en tout cas, sur des shows en freestyle. Bon, ben, le show se termine. Content, j'imagine. Ouais, heureux. De suite, c'est sûr que je vais partager ça avec mon pote. Avec les gens qui sont prêts, voilà, avec toi qui es derrière la caméra, parce que tu étais là aussi pour vivre ça avec moi. Et de suite, c'est des personnes importantes. Tu as envie d'aller chercher ces personnes-là et de dire ok, on l'a fait quoi. C'est finalement, tu as eu l'image, moi j'ai réussi, je vais voir mon pote, je vais voir David, je vois tout le monde. Et c'est là où vraiment où je réalise ce que je viens de faire finalement. C'est la grosseur du trix sur une bosse de dirt. Et les minutes qui suivent sont aussi importantes que le moment où tu plaques. Parce que c'est à ce moment-là où tu partages presque le plus. Parce que quand tu roules, le show continue. Donc finalement, t'as posé, mais c'est pas ton show, c'est pas ta partie. On est plusieurs à faire des choses incroyables dans ce show gigantesque. Et c'est vrai que quand le show se finit, on a le temps de partager beaucoup plus et d'échanger sur les ressentis des uns et des autres. Et moi, dans l'idée, c'était de continuer à faire évoluer cette figure. Et c'est vrai qu'après avoir posé le double grab, à l'entraînement, j'avais préparé le front grab one end. J'ai essayé sur l'airbag à l'entraînement pendant les essais et ça a fonctionné. Donc du coup, je me suis dit, ben, je me sens bien, je connais la bosse, j'ai posé ça hier. Et du coup, le show du dimanche à 16h. Émotion évidemment, je repense à mon double front flip que j'avais posé sur cette bosse là, je repense à la première fois où j'ai fait front sur un side grab simple, je repense à la veille où je fais le double grab et puis là je continue l'évolution de ces tricks et bah, j'avais les larmes aux yeux. Hein. Je pleurais d'émotion, d'adrénaline, de fin du week-end. Je suis heureux et satisfait de poser cette figure un peu folle, voilà, surtout au premier essai quoi. Je le fais avant tout pour moi et après c'est sûr que si j'ai la chance de le partager avec tous les gens que j'apprécie ou que j'aime, évidemment ben, je suis le plus heureux. On est des riders passionnés, que ce soit en moto ou dans n'importe quelle discipline dans le show du Master of Dirt, on est des passionnés. Merci beaucoup Vincent. Merci à toi. Tu peux te lever, c'est fini. Bon mais c'était cool. Ouais vraiment. C'était cool. Ouais super, c'était cool de partager ça avec toi. Mon pote, merci à toi. C'était top. Ouais vraiment ça déchire. C'était cool. Et puis finir là sur ça en studio, génial. Ça flingue. Non, ça flingue. Ça flingue.